Monsieur le maire de la commune 5 du district de Bamako, Monsieur le maire, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Monsieur Issou Batili, parrain de cette troisième édition du SIAMA, Madame la présidente de la Fédération nationale des artisans du Mali, Monsieur le président, Monsieur les présidents des chambres de métiers du Mali, Monsieur le directeur général d'Orange Mali, sponsor officiel de la troisième édition du SIAMA, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale d'organisation de la troisième édition du SIAMA, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique de l'organisation de la troisième édition du SIAMA, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse et les professionnels de la communication, chers artisans, chères artisanes, distingués invités, c'est pour moi un plaisir renouvelé, après le contact chaleureux de plusieurs heures que j'ai eu avec vous, en visitant les stands de toutes les régions du Mali, le 23 décembre 2021. C'est pour moi donc un plaisir renouvelé de m'adresser à vous au moment où les lampions s'éteignent sur la troisième édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. C'est un moment d'échange, c'est un moment chargé d'émotion, car l'heure est venue, après 10 jours de communion, de partage, de convivialité fraternelle, l'heure, dis-je, de la séparation sonne. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, je tiens à adresser mes vifs remerciements au président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, dont l'ambition est de faire de l'artisanat malien un moteur de croissance, de développement, de création d'emplois et de richesses. Chers artisans, le Salon international de l'artisanat du Mali est le cadre idéal de promotion des produits et services du secteur de l'artisanat, mais également de brassage, d'interpénétration des communautés et d'intégration africaine. Je puis affirmer à ce stade que malgré le contexte de la double crise sécuritaire et sanitaire, cette troisième édition du SIAMA a tenu la promesse des fleurs. Le pari n'était pas gagné à l'avance, mais il est heureux de constater que le succès est allé au-delà des espérances. Venez d'écouter l'intervention du président de la Chambre des métiers. Il était attendu 150 000 visiteurs. Ils en sont au double pratiquement, 295 000. Cette édition aura été marquée par la présence notable de plusieurs artisans venus de toutes les régions du Mali et de 10 autres pays africains. En effet, le SIAMA a été un lieu de convergence de milliers de nos concitoyens et d'amis du Mali. La diversité et la qualité des produits exposés renforcent davantage l'idée que la commande publique pourra s'orienter vers les produits locaux afin de promouvoir le Made in Mali. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de remercier vivement l'ensemble des exposants, ceux de l'intérieur comme ceux de la capitale, pour leur mobilisation, surtout leur créativité, leur inventivité, leur savoir-faire. J'associe à ces remerciements nos sœurs et nos frères venus de l'étranger, des pays africains,
particulièrement de France pour participer à cette fête de célébration du génie créateur malien et africain. Je voudrais rendre ici un hommage mérité à tous ces femmes et hommes qui, par leur génie, leur doigté, font rayonner le Mali et font vibrer la fierté nationale. En ce moment, j'ai une pensée pieuse pour les artisans qui, par leurs œuvres, ont transporté et fait rayonner le savoir-faire malien au-delà de toutes les frontières. Ils ont fait la gloire de ce pays, mais ils ont malheureusement quitté trop tôt, j'allais dire. Je voudrais saluer leur mémoire et leur rendre un hommage singulier. Comment oublier les organisations professionnelles de l'artisanat, avec à leur tête l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, dont le rôle a été capital dans l'organisation réussie de cet événement. Cette troisième session du SIAMA aura été sans doute un espace d'expression artistique et culturelle par excellence. L'occasion est opportune ici de féliciter et remercier les artistes, musiciens, comédiens et autres qui ont accompagné cette édition par leur performance. Permettez-moi de féliciter Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, dont la perspicacité et le leadership ont permis la tenue de cette édition, malgré la situation sécuritaire et sanitaire qui faisait planer des doutes sur la possibilité, j'allais dire l'opportunité, de la tenue de ce forum. Il a su trouver les mots justes et les arguments pour convaincre le gouvernement et ses partenaires de la pertinence de cette activité, en ce moment particulier de l'histoire de notre pays. Mesdames et messieurs, la réussite de la présente édition est également due à la détermination et à l'engagement du commissaire du Salon, président de la Commission nationale d'organisation et du président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, M. Mamadou Ninkoro Traoré, que je salue et félicite avec toute son équipe. J'exprime également ma satisfaction et ma reconnaissance à l'endroit des visiteurs qui se sont mobilisés en grande masse, nuit et jour, pendant ce SIAMA. Mais je voudrais remercier particulièrement les membres du gouvernement qui sont revenus plusieurs fois ici, nuitamment souvent, après de longues journées de travail, apportant ainsi un soutien politique fort aux artisans. Même le 31 décembre, il y en a qui étaient là avec les membres de leur famille. Je me suis renseigné, j'ai vu quelques messages qu'on m'a envoyés. Ils étaient là avec les membres de leur famille, certains avec leurs épouses, d'autres avec leurs maris. Je voudrais les saluer pour leur engagement. Je remercie enfin tous ceux qui, de près ou de loin, toutes ces petites mains invisibles, ces anonymes, qui ont bien voulu mettre en commun leur intelligence, leurs énergies, et sans qui cette troisième édition n'aurait été une réussite. Je veux parler des hôtesses, des parkeurs, des manœuvres, des agents de sécurité, que tous y trouvent ici l'expression de notre gratitude. Mesdames et messieurs, chers professionnels du secteur de l'artisanat, après un tel succès, il vous appartient de fidéliser davantage les visiteurs et acheteurs afin d'encourager la consommation locale de nos produits artisanaux et stimuler la créativité et l'innovation dans le domaine de l'artisanat. Vous avez placé la barre très haut en le hissant au rang des plus grandes manifestations de l'artisanat africain. On vient de dire ici que c'est la 10e édition la plus grande qui s'organise. Je voudrais par conséquent exiger le respect des normes de qualité. Le SIAMA doit rester un rendez-vous prisé par les manifestations commerciales africaines et internationales. Il doit demeurer
le creuset de l'expression de notre identité culturelle, nantie de toutes les esthétiques, des touches esthétiques et contemporaines adaptées à notre époque. Mesdames et messieurs, la tenue de la présente édition satisfait une des conclusions des Assises nationales de la refondation, dont les travaux se sont achevés le 30 décembre 2021. C'est le lieu de saluer la remarquable mobilisation des Maliens et des amis du Mali, leur participation effective aux Assises nationales de la refondation, qui jette de nouvelles bases, des actions à mener pour redonner à notre pays ses lettres de noblesse, ses lustres, son lustre d'antan. Dans cette nouvelle étape de la construction nationale, je suis persuadé que le monde de l'artisanat, de la culture, occupera toute sa place pour le rayonnement de notre pays. En effet, le Siama, vous avez entendu plusieurs communications. Pendant le Siama, dis-je, vous avez entendu plusieurs communications dont le thème central est « Artisanat est sorti de crise, notre contribution ». Je puis vous donner l'assurance que les plus pertinentes recommandations issues des ateliers thématiques animés par des personnalités de haut niveau ne resteront pas dans les tiroirs. Notre ambition est de faire du secteur de l'artisanat un fleuron vital du développement économique, social et culturel de notre pays. Monsieur le parrain de cette édition, Youssouf Bakili, dans le contexte actuel, marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire, vous avez promis, vous avez compris que la tenue de la troisième édition du Siama marque le retour de l'espoir pour des millions d'artisans qui n'ont que trop souffert des dures conditions imposées par cette double crise sécuritaire et sanitaire. C'est pourquoi vous avez sans hésiter décidé d'accompagner cette nouvelle édition. Je tiens à vous remercier pour vos généreux efforts qui ont permis d'imprimer cette marque de succès à l'événement. Je remercie également la Fondation Orange Mali, sponsor officiel de cette édition, et tous les partenaires dont l'accompagnement a été précieux pour la réussite de cette édition du Siama. Avant de terminer mes propos, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de remercier les conférenciers et tous les organisateurs pour leur contribution à la réussite de cette troisième édition. Nous sommes à l'orée du nouvel an 2022. L'occasion est opportune pour souhaiter à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, une année 2022 merveilleuse, pleine de santé, de courage, de persévérance et surtout de foi en l'avenir, de détermination pour la construction du Mali nouveau. Paix et concorde pour le vaillant peuple malien. Mesdames et messieurs, j'ai écouté les demandes, les doléances du président de la Chambre, de l'Assemblée permanente de la Chambre des messieurs. Je puis vous dire que ces conclusions doivent être présentées sous forme de communication au gouvernement qui en tirera toutes les conséquences positives. Je suis sûr que le président sera votre premier soutien lorsque cette communication sera présentée. Parce que lui-même, le président de la transition, tient particulièrement à ce que tout ce qui peut permettre de valoriser le Mali, le Malien, le travail du Mali, la culture des Maliens, tout ce qui peut l'être, doit être fait par le gouvernement. Ça fait partie des missions de ce gouvernement. La restauration de la dignité,
de l'honneur des Maliens. Et lorsque vous vous habillez en Malien, vous consommez en Malien, vous vous habillez pendant les grandes cérémonies, notamment les dirigeants, je pense que c'est une façon aussi d'affirmer notre identité et en même temps aider ceux qui font rayonner notre culture de par le Mali et de par le monde. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes d'espoir et d'engagement que je déclare close la troisième édition du Salon international de l'artisanat du Mali. Vivement la quatrième édition. Vive l'artisanat malien, vive le Mali, que Dieu bénisse notre peuple, que Dieu bénisse le gouvernement de transition, que Dieu bénisse toutes les actions qui sont menées ou qui seront menées pour le redressement de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention.